J'adore cette sonorité. Pas vous ? Mais où est-ce qu'il nous emmène comme ça, celui-là ? Appuyez sur Start. Amis musiciens et mélomanes, mélophilophilomèles, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier les tétrades. Alors si vous suivez cette série depuis le début, vous vous êtes certainement aperçu que jusqu'à maintenant, on a étudié les notes une par une, puis deux par deux avec les intervalles, et dans la dernière vidéo, trois par trois avec les triades. Et là, on s'apprête donc à étudier les tétrades. Alors, je me mets à votre place, et vous vous demandez certainement, mais où est-ce qu'il nous emmène comme ça, celui-là ? Où est-ce que ça s'arrête ? Alors, je vous rassure, on va s'arrêter au tétrade. Donc ça veut dire que d'ici la fin de la vidéo, en réalité, vous saurez nommer non seulement les accords de 4 notes, mais aussi de 5, 6 et 7 notes. Une fois qu'on connaît les tétrades, on connaît tous les accords. Alors, sans plus de cérémonie, lançons-nous dans les tétrades et commençons par énoncer leur formule. Une tétrade, ça se construit à partir d'une triade, d'un accord de 3 notes. Et donc si vous ne connaissez pas encore les triades, je vous recommande de cliquer sur le petit encadré qui apparaît en haut à droite, qui va vous emmener vers la précédente vidéo qui parle des triades. Parce qu'on va vraiment construire par-dessus. Et là typiquement, ça c'est notre triade de Do majeur, par-dessus laquelle on va rajouter une septième. Donc la formule complète d'une tétrade, c'est fondamentale, tierce, quinte, septième. En l'occurrence, cet accord, il est construit à partir d'une triade majeure et d'une septième majeure. Et donc cet accord, on l'appelle un Do septième majeur, en bon français, mais vu que les Anglais appellent ça C major 7, eh bien, dans le langage courant, y compris en français, on dit aussi Do majeur 7. Et c'est l'appellation que j'utilise personnellement, et donc je suis désolé pour ce grossier anglicisme, mais c'est celui que vous m'entendrez dire tout le long de ces vidéos. Pour la notation maintenant, eh bien, il y a deux façons de le noter. On a une première notation qui vient du jazz, on l'attribue peut-être à John Coltrane, mais qui consiste à noter cet accord C avec un delta, qui indique la septième majeure. Ou alors on peut noter explicitement C maj 7. Personnellement, j'utilise la notation avec le delta qui est un petit peu plus courte. Allez, passons à notre deuxième tétrade maintenant, en faisant descendre la septième. Donc là, nous avons une triade majeure avec une septième mineure, et cet accord, on l'appelle un Do septième ou Do 7. Alors, ce qui est remarquable ici, c'est que on ne précise rien. Donc par défaut, on considère que la septième est mineure et que la tierce est majeure. Vous vous souvenez, dans les triades, quand on dit rien, quand on dit juste Do, c'est en fait Do majeur avec une tierce majeure. Et bien quand on se contente de dire Do 7, c'est la septième mineure. Petite subtilité, mais vous allez voir que ça se mémorise très bien. Allez, on va maintenant faire descendre la tierce, justement. Ça, c'est une tierce mineure et une septième mineure. Ça s'appelle un Do mineur 7, on va le noter CM7, ou bien la notation que j'emploie personnellement, C-7. Voilà. Tierce mineure, septième mineure. Si on fait descendre la quinte à partir de l'accord mineur 7, on construit ce que moi j'appelle explicitement un Do mineur 7 bémol 5. C'est-à-dire une triade diminuée avec une septième mineure. Et donc, plus prosaïquement, vous allez aussi croiser l'appellation Do demi-diminué, et donc la notation avec le rond de diminué, mais barré, qui veut dire un Do demi-diminué. Personnellement, je trouve que c'est plus clair de parler d'accord mineur 7 bémol 5, et dans les vidéos qui suivront plus tard, vous verrez que c'est tout à fait légitime. Pour terminer, on va faire descendre notre septième. Donc attention, ça c'est pas un La. C'est un Si double bémol, rappelez-vous, le La et le Si double bémol sont deux notes en harmonique, mais là, dans le contexte, c'est un Si double bémol, c'est-à-dire une septième diminuée avec une triade diminuée. Et donc ça, c'est ce que l'on appelle l'accord septième diminuée, ou l'accord diminué 7,
Mais en réalité, lorsque l'on pense en tétrade, on pense que cette forme-là en tétrade, c'est la forme, la vraie forme finale de l'accord diminué, et donc c'est pour ça que cet accord, on appelle ça un do diminué, tout simplement. Alors voilà, récapitulons. Triade majeure, septième majeure, c'est un do majeur 7. Triade majeure, septième mineure, c'est un do 7. Triade mineure, septième mineure, c'est un do mineur 7. Triade diminuée avec une septième mineure, c'est un do mineur 7 bémol 5. Et enfin, triade diminuée avec une septième diminuée, c'est un do diminué 7 ou diminué tout court. Voilà pour les formules des tétrades les plus courantes. Alors, de la même manière que pour les triades, on peut s'entraîner à construire des tétrades par-dessus n'importe quel autre fondamental. Vous vous souvenez, je vous avais donné l'astuce de vous souvenir de l'ordre des tierces, do, mi, sol, si, ré, fa, la, do, mi, sol, si, ré, fa, la, do. Et donc, de la même manière que pour les triades, pour les tétrades, c'est très pratique. Si on construit, allez, disons, une tétrade de fa, et ben c'est fa, la, do, mi. Voilà. Là, nous avons donc une tétrade fa septième majeure. Je fais quand même l'effort de parler en bon français, hein, qui est composée donc de la triade majeure avec la septième majeure, mais on a aussi fa sept, fa mineur sept, fa mineur sept bémol 5, et enfin fa diminué. Allez, pour reprendre les mêmes exemples que dans la précédente vidéo, on va faire ré bémol aussi. Donc pareil pour ré bémol, faut penser ré fa la do, descendre le ré et ajuster peut-être la quinte. Et voilà, on a ici ré bémol, fa, la bémol, do, triade majeure, septième majeure, c'est un ré bémol majeur 7. Si on descend la septième, ré bémol 7. Si on descend la tierce, ré bémol mineur 7. Si on descend la quinte, ré bémol mineur 7 bémol 5. Et enfin, si on assombrit jusqu'au bout, ré bémol diminué 7. Voilà. Ça, c'était pour construire les tétrades. Alors maintenant qu'on a parlé des tétrades, et avant de parler de reconnaître les accords, on va tout de suite parler des autres accords. Et donc, dans les autres accords, il y a deux catégories d'accords. Il y a ceux qui ont quatre notes, et puis il y a ceux qui en ont plus. Commençons par notre Do majeur 7. Là. Même s'il est très stable, il arrive très souvent que, à la place de cet accord, Do majeur 7, qui a la septième majeure, qui est très brillante, et bien souvent à cette septième majeure, on va substituer une sixte plutôt. Et on va faire cet accord qui est Do, Mi, Sol, La. Et bien, cet accord qui n'a pas de septième, j'insiste, il n'a pas de septième, mais une sixte à la place, on appelle ça un Do 6. Attention, on appelle bien ça une sixte parce qu'il n'y a pas de septième. Souvenez-vous de cette remarque, on va y revenir plus tard. De la même manière, on peut avoir un Do mineur 6. C'est pareil, ici on a pris la septième mineure et on lui a substitué une sixte majeure. On a cette jolie sonorité du Do mineur 6 que vous risquez de croiser, surtout si vous faites du jazz dans les vieux standards, on les croise très souvent. Mais aussi dans la musique d'Amérique du Sud, on en croise beaucoup. Voilà, ça c'était pour les accords 6 et mineur 6. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a aussi, vous vous souvenez, on peut avoir aussi les triades sus 2 et sus 4. Ça c'est une triade sus 4. Et bien la triade sus 4, on peut la trouver également avec une septième mineure. Et donc, ça, c'est un accord qu'on note 7 sus 4, et moi personnellement je l'appelle 7 sus 4, parce que si on doit décrire ce que c'est en bon français,
C'est un accord de septième suspendu sur la carte. C'est un petit peu lourd à dire comme ça, donc voilà. 7 sus 4. Vous avez aussi 7 sus 2, ça peut se croiser, c'est peut-être un peu plus rare. Et puis on peut finir avec une dernière tétrade qui est assez rigolote et qui nous en dit plus long sur l'appellation majeur-mineur des tierces et des septièmes, puisque vous vous souvenez, l'accord 7, on précise rien, ça veut dire tierce majeure et septième mineure. Et bien rien que pour rigoler, on peut faire tout ce qui n'est pas par défaut, c'est-à-dire prendre une tierce mineure et une septième majeure. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle un Do mineur majeur 7. Très bel accord, énigmatique, tout ce qu'on veut. Pendant très longtemps, j'ai cru que cet accord était très rare, et en réalité, non, il n'est pas tant que ça. On peut le croiser assez souvent, et il n'est pas si exotique que ça. Alors, si vous voulez geeker les choses théoriquement un peu pointues, il n'est pas si rare que ça, parce qu'en réalité, l'accord mineur majeur 7, c'est l'accord du premier degré du système mineur mélodique. Alors, vous pouvez oublier cette remarque, mais je sais que certains d'entre vous ne l'oublieront pas et iront tout de suite se renseigner sur ce que c'est que ce système mineur mélodique et tout ça. Donc, allez-y, je vous en prie. Je vous conseille même les livres d'Étienne Guéraud en harmonie pour étudier ce sujet. Voilà, donc ça, c'est les tétrades et apparentées, hein, qui ne sont pas toutes des tétrades. Hein. Quand on a une sixte, c'est pas une septième, donc c'est pas stricto sensu une tétrade. Bien, mais c'est pas tout ce qu'on peut faire avec les tétrades, on peut aussi les étendre. Et donc, c'est là qu'on va commencer à parler des accords de plus de 4 notes. Alors, on va déjà énoncer un peu le principe général. Pour construire une tétrade, finalement, on a empilé une fonda, une tierce, une quinte, une septième. Bon, mais finalement, dans la gamme, il nous reste encore 3 notes. En théorie, il nous reste la seconde, la quarte, et la sixte. Mais en fait, on peut les empiler au-dessus, et donc on peut rajouter une neuvième, ou au lieu d'une sixte, une treizième, et au lieu d'une onzième, alors attention, je vais faire quelque chose de très moche, je vais mettre un fa bécart ici. Ça, normalement, on le trouve pas pour de vrai, normalement, quand on rajoute la onzième sur cet accord, on l'augmente, mais bon. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ici, ça se divise en deux. Nous avons d'abord la partie tétrade, et ici, nous avons des nouvelles tierces empilées qui sont des extensions de cet accord. Donc la neuvième, la onzième et la treizième sont des extensions. Et ce qu'il est important de noter, c'est que l'on parle bien de neuvième quand il y a déjà une tierce qui est présente dans l'accord. Sinon, on parle de seconde, hein, l'accord sus 2. On parle aussi de onzième. Alors ici, c'est une dièse 11, hein, c'est une onzième augmentée, mais ça revient au même. On parle aussi de onzième quand il y a une tierce d'un accord. Sinon, on parle de quarte, comme l'accord sus 4. Et enfin, on parle de treizième uniquement à partir du moment où il y a déjà une septième dans l'accord, puisque sinon, nous venons de le voir, c'est un accord 6. Voilà pour les petites subtilités sur le nommage des extensions. Alors, on peut trouver ces extensions sur n'importe quelle tétrade. Néanmoins, je dois vous prévenir qu'on ne peut pas trouver n'importe quelle extension sur n'importe quelle tétrade. Typiquement, sur la tétrade majeure, on ne va jamais trouver la onzième naturelle. On va trouver comme extension la neuvième et la treizième. Et si on doit trouver une onzième, ça va être une onzième altérée. Et c'est là où on arrive aux extensions altérées, qui sont pas tellement différentes des extensions, c'est juste que on leur rajoute des dièses ou des bémols devant. Et on peut pas faire n'importe quoi avec tous les accords, mais je vais pas forcément m'attarder complètement sur une liste exhaustive de ce qu'on peut faire avec tous les accords, sinon on n'en finirait plus de cette vidéo. On va se contenter de nommer rapidement les plus courants. Donc sur un accord majeur 7, on peut avoir une neuvième. Sur toutes les tétrades, on peut mettre une neuvième, en réalité, la neuvième, c'est une extension qui est très stable et très jolie partout. Et une treizième. Si on doit rajouter une onzième, elle doit être dièse. Bien, sur un accord mineur 7, maintenant. Eh bien, sur un accord mineur 7, on peut rajouter une neuvième, et à ce moment-là,
on appelle ça un accord mineur 7 add 9, ou alors on l'abrège en mineur 9. On peut rajouter une onzième. Très jolie la onzième. Et du coup ça, on peut appeler ça mineur 7 add 9 add 11, ou alors mineur 11. Et encore, quand on dit un accord mineur 11, c'est pas obligatoire qu'il y ait une neuvième, même si c'est le plus courant. Et enfin, on peut rajouter une treizième majeure, même si elle frotte un petit peu. Et donc, voilà, ça nous ferait un accord mineur 7, add 9, add 11, add 13, qu'on abrégerait en mineur 13. De la même manière, hein, l'accord majeur ici, où on rajoute la neuvième et la treizième, et sans aucune extension altérée, on peut appeler ça un accord majeur 13. Voilà. Ce sont des raccourcis qu'on utilise pour parler couramment. Maintenant, l'accord le plus intéressant sur lequel rajouter des extensions, mais ça, on verra ça peut-être beaucoup plus loin, en tout cas en détail, mais on va quand même en parler ici, c'est l'accord 7. Par-dessus un accord 7, on peut rajouter beaucoup d'extensions. Un accord 7, comme le dit mon prof, c'est un accord qu'on peut pourrir, et en fait, à la place d'un accord 7, souvent, on peut s'asseoir sur le clavier et ça marche pareil. Donc un accord 7, on peut le pourrir avec plein d'extensions. Donc là, par exemple, je lui rajoute une 9e et une 13e. Wouh ! Ça nous fait un joli accord 13. Mais cette 9e et cette 13e, si je veux, je peux même rajouter une 11e augmentée. Encore plus de dissonance. Ça commence à devenir spicy. Mais vous avez encore rien vu. Puisque cette 9e et cette 13e, on peut aussi les bémoliser. Donc là, j'ai un accord 7, bémol 9, bémol 13. On peut essayer de lui mettre une voix peut-être un peu plus... Voilà. C'est quand même assez classe. On peut le faire comme ça. Voilà, bémol 9, bémol 13. Et puis, le dernier qu'on peut voir également en altération, c'est l'accord 7 avec dièse 5, dièse 9. Donc, si je prends... Hop, on rajoute une quinte augmentée et une neuvième augmentée. Voilà. Ça, on peut souvent le croiser. Dièse 5, dièse 9. Voilà pour les extensions et les extensions altérées. Donc je suppose que vous avez compris la logique maintenant. Lorsqu'on a une tétrade et des extensions, on parle de 9e, de 13e et de 11e. Et donc après, à partir de là, on peut vraiment construire plus ou moins tous les accords, jusqu'à 7 notes, puisque en fait, il ne peut pas y avoir vraiment plus de 7 notes dans un accord, puisqu'il ne peut pas y avoir vraiment plus que 7 notes dans une gamme. Et nous parlerons des gammes dans la prochaine vidéo. Eh bien, voilà, ça fait à peu près le tour de ce qu'on peut dire en théorie sur les tétrades et les accords de 4 notes et plus. Alors, pour terminer, on va peut-être faire un petit exercice, en tout cas illustré, c'est moi qui vais faire l'exercice pour vous montrer comment on fait pour reconnaître les accords, parce que maintenant, vous avez vraiment vu assez de théorie pour être capable de nommer les accords dans une harmonie vraiment arbitrairement complexe. Alors, voyons voir. On va jouer... ça. Appuyez sur Start. Je plaisante. C'est vrai que ça fait quand même très musique de jeu vidéo. Donc on va voir. Vous voyez, c'est un passage à l'harmonie un peu sophistiqué, il y a du monde dans les accords. Et bien vous allez voir que on va les identifier tous pratiquement sans problème. Alors, je vais d'abord jouer les accords les uns après les autres, histoire qu'ils s'affichent dans le petit cadre en haut. On va faire comme si c'était interactif. Alors le premier accord. Hop. Le second. Le troisième. J'adore cette sonorité, pas vous? C'est plein de cartes, c'est beau ça. Allez, l'avant-dernier accord.
Et le dernier, j'avais fait. Voilà. Et bien maintenant, on va identifier nos accords. Commençons. Alors, regardons le premier. Alors, le premier, vous allez remarquer quelque chose d'assez sympa, c'est que si vous vous souvenez des présentes vidéos, vous avez déjà croisé cet accord au moins une fois. Il est construit, regardez, c'est un La, un Mi, un Si. Donc ici on a une pile de trois quintes. Ici on a Do, Sol, Ré, encore une pile de trois quintes. Donc on a deux piles de quintes espacées par un demi-ton au milieu. Donc c'est une façon très commode de se souvenir de cet accord. Et donc qu'est-ce que c'est que cet accord? Alors le La, on va le laisser ici et puis on va empiler les tierces par-dessus cela. Donc, essayons de reformuler une tétrade, hein. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais c'est comme pour les triades, hein. Il faut essayer de reformuler une pile de tierces. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Le La, est-ce qu'on a une tierce par-dessus? On a le Do, oui, il est là. Hop. Ensuite, on a le Mi, d'accord? Est-ce qu'on a un Sol? Absolument. Le Sol, il est là, je le passe là. Et il nous reste enfin le Ré qui est là. Bon, c'est peut-être un petit peu muddy, comme on dit en anglais. Voilà, c'est plus clair ici. Eh bien ça, qu'est-ce que c'est? Triade mineure, septième mineure, donc déjà c'est un La mineur 7. Et qu'est-ce qu'on lui a rajouté par-dessus? Une neuvième et une onzième. Donc cet accord qui est là, c'est un La mineur 7, Ad 9, Ad 11. Donc c'est un La mineur 11, tout simplement. Ensuite, j'ai joué cet accord-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Si, Fa dièse, Do dièse, Ré, La. Oh, eh bien, vous remarquez peut-être le même pattern, hein, finalement. Ici, on a une quinte, un demi-ton, une quinte. Allez, on aurait peut-être pu rajouter une 13e ou une 11e, mais c'est pas le cas. Donc, vous reconnaissez certainement cet accord. Si on prend le Ré, on le met là, tac. Et si on prend le La et qu'on le met là, on obtient bien notre pile de tierces, hein. C'est un Si, tierce mineure, quinte juste, septième mineure. Donc ça, c'est un Si mineur 7, Ad 9, puisque ça, c'est la neuvième. C'est une seconde majeure entre Si et Do dièse. Et donc, Si mineur 9. Prochain accord, c'était celui-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ou bien c'est un petit peu la même sonorité, hein, ça fait la troisième fois qu'on la voit, donc vous devez certainement la reconnaître. On prend le Mi bémol ici, on le met là. Et le Sol ici est doublé. Donc, Do mineur 7 avec la septième mineure. Et une neuvième, Do mineur 7, Ad 9, donc Do mineur 9. L'accord suivant, pareil, le Fa je le mets là, hop, le La je le mets là, tac. Ré mineur, septième mineur, neuvième, Ré mineur 9. C'est le même accord qui plane de ton en ton finalement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce bel accord. Ah, j'adore ce truc. Pourquoi est-ce que ça sonne aussi joli? Eh bien, c'est parce que tout en haut, on a cette pile de cartes qui a une sonorité très ouverte. Et tout en bas, on a cette quinte qui stabilise l'accord. Ah, c'est beau, c'est beau. Alors, repositionnons-le, c'est pas facile à dire vite ça, comme une pile de tierces. On va prendre le Mi bémol, on va le mettre un peu au-dessus. Hop, ici on a un Si bémol, on a le même ici. Et on va le mettre là. Tac. Qu'est-ce qu'on a? Mi bémol, Sol, tierce mineure, Si bémol, quinte juste, Do. Ah, c'est une sixte. Il n'y a pas de Ré, donc il n'y a pas de septième, donc c'est bien un Mi bémol 6. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Le Fa, qui est la neuvième au-dessus du Mi bémol. Ça, c'est une neuvième, parce que ça, c'est une seconde majeure.
Et donc cet accord-là, eh bien, c'est un Mi bémol 6 add 9, mais en réalité, on l'abrège Mi bémol 6 9. Et donc on le note en fait 6 slash 9 parce qu'il est assez courant, et c'est assez courant de le croiser en tant que tel. J'adore cet accord. Le suivant, c'était ceci. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Fa, on va le remettre là, hop. Fa, la, le do, il est ici, on va le remettre là, tac. Qu'est-ce que c'est que ça ? Fa majeur, septième majeur, donc Fa majeur 7, avec une neuvième, Fa majeur 9. Et pour terminer le dernier accord, où là il y avait vraiment beaucoup de monde, j'avais fait ça à la main droite gauche, et ça. Voilà, ça c'était pour faire du bruit. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a Sol, on a un Si, donc la tierce, le Ré. Donc là on a triade majeure de Sol, avec Fa dièse, donc septième majeure, et on a en plus un La. Là il y avait le Ré, il n'est pas très important, et là il y avait un Mi. Donc forcément quand on le joue comme ça il est moins joli, mais qu'est-ce que c'est finalement ? C'est Sol majeur 7, avec une 9e et une 13e. Donc cet accord, on peut le noter, Sol majeur 13. Alors voilà, finalement, on vient d'analyser un passage à l'harmonie un petit peu sophistiqué. Allez, on se le rejoue quand même pour le plaisir, parce que c'est quand même beau, non ? C'est quand même joli ce qu'on fait en musique. Et ben voilà, vous avez la preuve maintenant que vous êtes en mesure de nommer des accords dans une harmonie arbitrairement complexe. Alors, nommer les accords ne fait pas tout, mais en tout cas, on va arrêter cette vidéo ici. Et donc, à partir de la prochaine vidéo, nous allons commencer à étudier les systèmes qui nous permettent d'apprendre à enchaîner correctement les accords, et en tout cas, d'étudier la façon dont ils s'enchaînent. Et donc on va parler du système tonal. Mais ce sera pour la prochaine fois. En attendant, travaillez bien vos tétrades.